Salam alaikum la Houma de Grosse Daïda. Bienvenue sur la chaîne de Faïda. Si vous êtes nouveau, nous vous invitons à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Car chaque jour, nous essayons de vous traduire des Faïda proposées par le chef Mahamadou Konaté. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner, d'activer la cloche et surtout de partager la vidéo, car ça peut aider un frère dans la situation, dans une situation délicate. Pardonnez s'il vous plaît. Voilà. Donc, nous voici aujourd'hui encore avec un nouveau faïda du chef Mahamadou Konaté que nous vous proposons. Ce faïda, c'est pour toute personne qui fait du commerce ou même pas seulement du commerce, qui cherche à avoir de la chance. Car qui dit l'argent dit la chance. Voilà, car c'est la chance qui mène à l'argent. Voilà, pour avoir de la chance dans la vie, pratiquer ce faïda proposé par le chef Mahamadou Konaté. Ce faïda qui se fait avec la sourate Fatiha, la sourate de l'ouverture. Voilà. Tu vas écrire la sourate Fatiha 119 fois. Si tu ne sais pas le faire, tu seras obligé d'approcher un maître coranique qui va t'écrire la sourate Fatiha 119 fois. Il va t'enlever un assis de la sourate Fatiha 119 fois. Voilà. Quand il dit assis, vous comprenez par là que c'est. Vous approchez un maître coranique qui lui demande s'il peut t'écrire la sourate Fatiha 119 fois. Voilà. Quand ils ont une ardoise avec eux là-bas, on écrit là-dessus. Maintenant, après avoir écrit, on essuie. Voilà, l'écriture là, on essuie avec de l'eau. Voilà, on recueille l'eau de l'écriture là. Ça, on appelle Nasi. Voilà. Donc, il va te demander de t'écrire la sourate Fatiha 119 fois. Et d'enlever un Nasi du temps. Tu viens avec ça à la maison. Tu t'en vas payer un balai, un nouveau balai. Tu cherches un nouveau balai qui n'a jamais servi. Voilà. Tu viens avec balai là à la maison. Maintenant, tu casses quelques brindilles de balai que tu as payé là. Tu vas brûler ça pour écraser. La poudre que tu vas retenir, tu vas mélanger ça dans, voilà, dans le nasi que tu as recueilli de la sourate Fatiha 119 fois. Voilà. Tu vas renverser les quelques brindilles de balai que tu as remis en poudre. Hein. Tu mets ça dans le nasi. Hein. Maintenant, tu mets un peu dans ton eau pour aller te laver. À chaque fois, quand tu vas te laver, renverse un peu dans ton eau. Et puis, tu frottes un peu sur ta main, tu frottes ton visage avec avant de sortir pour aller dans ton commerce ou dans ton lieu de travail. Inch'Allah, si tu l'appliques ainsi, tu verras un changement dans ton commerce ou dans ton travail, en tout cas dans ta vie, tu auras un changement par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kalamet Sabaraka, dedans, si nous le faisons, et nous disons à chaque vidéo, les faïdas se réalisent avec par les degrés de notre foi. Voilà. Donc, ayant la crainte sincère, ayant la foi sincère avant de les pratiquer pour dire que les faïdas que nous sommes en train d'effectuer actuellement, seul Dieu peut l'exaucer. Mais si tu le fais ou fais, ça ne va pas se réaliser. Il faut le faire avec l'intention que ça se réalisera. Inch'Allah, ça va se réaliser. Et nous nous excusons une fois encore de la qualité du son, voilà. Car nous n'avons pas encore tous les matériels. C'est toujours votre serviteur, Salman. On vous dit salam alaikum et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Wassalam. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo.